L'écosystème, en tous les cas selon la vision d'Alstom, existe déjà. Comme j'ai eu l'occasion de le présenter il y a quelques mois ou même l'année dernière, on a déjà développé un écosystème pour la filière électrique autour de Cablience avec plus d'une vingtaine de fournisseurs et qui sont là avec un modèle très clair pour livrer non seulement le marché local, mais aussi à l'export et qui donne aujourd'hui des résultats assez intéressants. Donc maintenant, pour prendre ce même type de modèle et, 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 et l'extrapoler à plus d'activités, plus de corps de métier, plus d'équipements, bien entendu, il faut le faire. On, on a déjà contribué avec d'autres, avec des échanges avec le ministère de l'Industrie, qui est en train de préparer un document complet pour cadrer, tout ça, tout, le, tout ça étant évidemment l'écosystème, euh, donc ça c'est en cours, mais bien entendu enfin moi je, je pense que oui, oui il y aura forcément à un moment donné euh, un écosystème dédié aux ferroviaires au Maroc. Alors quel serait son périmètre euh, euh, Comment on progressivement on va aller vers quelque chose de stabilisé, euh, euh, le plus intéressant possible, à la fois pour les industriels et le pays Ça, ce sont des points d'équilibre à trouver progressivement. Mais le, le travail a déjà commencé concernant Alstom, euh, comme je le disais tout à l'heure, à la fois pour la filière électrique, mais aussi comme contribution avec le ministère de l'Industrie. Et je sais aussi qu'il y a un document qui est en cours de finalisation au niveau du ministère et qui ne devrait pas tarder à être signé.